spectacle qui mélange animation et musique. Moi, je viens un peu des deux domaines et j'ai jamais voulu faire la séparation entre les deux. Donc l'installation, j'ai commencé par... Donc c'était une commande de Laurent Trémaux, qui est le directeur du festival du court-métrage, et qui a vu mon travail que je faisais sur les Nuits Blanches à Paris, donc en 2015 et 2016. On m'a commandé des créations projetées sur des bâtiments, donc une ancienne gare de la Petite Ceinture, une mairie, etc. Et il a vu ce travail et il a trouvé ça super. Et lui, il rêvait de faire une projection sur la façade du Mamac. Et d'ailleurs, j'ai appris hier que en fait, le lieu avait été pensé pour qu'il y ait des projections. Mais comme il y a eu apparemment des petits problèmes de travaux et de plaques de marbre qui tombaient, ça n'a jamais vraiment pu se faire. Et là, c'est la première année où enfin tous les éléments sont réunis pour faire ça. Donc le travail, c'est d'abord mesurer l'architecture du lieu. Donc je suis allé aux archives récupérer des plans, etc. Et il se trouve que les plans étaient un petit peu bizarres à lire. Enfin, c'était des vieux plans. Donc j'ai mesuré cet été le Mamac avec un petit mètre. Et en mesurant chaque truc, en allant sur le tout en haut, mesurer les... Donc j'ai pris et j'ai travaillé sur ma table à dessin, et ma tablette lumineuse, j'ai mis les plans du Mamac que j'avais fait moi en fait. Et après, à partir de là, j'ai composé une musique. Ce qui m'intéresse dans ce genre de création, c'est justement de mélanger pop musique, animation. Alors ma base, c'est vraiment de partir de l'architecture du lieu. J'aime bien faire une création in situ qui fait finalement peut se jouer qu'ici. C'est ça que je trouve beau comme geste artistique, poétique. C'est que on sait pas quelque chose qu'on va mettre là et puis là et puis là et puis là. C'est vraiment qu'ici que ça peut se faire. J'ai basé ma création en animation sur l'architecture, en faisant couler de la peinture depuis les fenêtres, etc., etc. Faire rebondir des carrés d'un mur à l'autre. Bonjour, Julien, je le connais depuis maintenant 10 ans. C'est un mec que j'écoutais quand j'étais plus jeune, j'aimais bien ses albums. Un jour, je l'ai contacté parce qu'il a sorti un album qui m'a vachement plu, qui s'appelait Vega en 2008. Et je me suis dit, tiens, j'aime bien la musique de ce mec, je vais l'appeler et je vais demander s'il y a besoin de musicien. Moi, je joue de la basse normalement. Et donc, il m'a pris comme bassiste sur toutes ses tournées depuis, en fait, tous les concerts qu'il fait depuis 2008, je joue de la basse. Dans un monde comme ça, un peu marchand, ou un monde où c'est un peu la course, où il y a des difficultés de travail, d'argent. Pour moi, être musicien, par exemple, être dans une activité créatrice, ça me permet en tout cas de me protéger de ce que je trouve pas beau dans le monde et d'essayer, dans ma maigre mesure en tout cas, de faire du beau. Donc, en cela, c'est peut-être un peu de la résistance. C'est d'abord la musique et après la création. Et après, je laisse... couler les choses, c'est une sorte de cadavre exquis, de jeu comme ça, de métamorphose, et on passe d'un élément à un autre. Voilà, j'aime bien les choses qui sont pas trop narratives, c'est-à-dire qu'en fait chaque spectateur, laisser de l'espace au spectateur pour pouvoir s'imaginer ce qu'il veut. Ce qui est très intéressant, c'est de laisser des passages inachevés pour que le spectateur puisse construire, ou ce que... Pour reprendre Duchamp qui disait qu'en gros une œuvre d'art était faite à moitié par le spectateur qui la voit, effectivement elle n'existe pas si on la regarde pas. M'arrêter sur le projet de ce soir. Parce que techniquement, c'est un pari. Voilà, c'est un pari assez osé. Et ce que vous allez voir ce soir va être aussi une proposition, pas une réponse. Le cinéma, c'est jamais une réponse, c'est toujours une proposition. Je crois que l'art aussi, de ce qu'on peut imaginer ici. Alors, Julien Rébaud, c'est un musicien niçois d'origine, qui est aussi un cinéaste, en tout cas un cinéaste d'animation. C'est l'artiste que vous allez voir jouer avec Jérôme, la perruque à la batterie. C'est un film qu'il a réalisé, c'est une création, on est aussi très fiers parce que ce soir vous allez voir un film pour la première fois comme nous. Julien Rébaud, il a plein de références, c'est un musicien, et ce soir il a convoqué Spielberg, ça va commencer avec Spielberg, Jodorowsky, mais aussi Cocteau. Il y a l'homme-cheval du Testament d'Orphée Jean Cocteau qui se transforme le prêtre de la montagne sacrée de Jodorowsky, qui est une de mes idoles absolues.
qui se transforme une soucoupe volante de Plan 9 from Outer Space de Ed Wood. Après, c'est tout un travail qui est à la fois pensé, je suis dans une matière intellectuelle, c'est certain, mais aussi je me laisse rêver, la possibilité en faisant de ne pas tout comprendre ce que je fais aussi. Et puis, le fait de faire comme ça quelque chose d'immersif aussi, c'est-à-dire de gigantesque, où il y a une phrase de Bob Wilson, qui est un metteur en scène que j'aime beaucoup, et où il dit « l'œil écoute » et l'oreille voit, et donc tous les sens se mélangent un petit peu, et ça m'intéresse aussi beaucoup. Et le fait que ce soit gratuit, le fait que les gens puissent venir, que ce soit comme une sorte d'œuvre poétique qui naît dans la ville, hop, qui disparaît. Est-ce que pour toi, l'acte créatif est un acte de résistance ? Ça l'est, mais ça ne devrait pas l'être, en fait. L'acte créatif devrait faire partie de la vie de tout le monde. Finalement, c'est vrai qu'il faudrait revenir à quelque chose où le spectateur est aussi artiste. Intermittent du spectacle, donc. Ah oui, je suis intermittent du spectacle. Oui. Ouais. C'est une chance en France, évidemment, d'avoir un régime spécifique d'allocation chômage. Moi, à un moment donné, j'ai eu un choix dans ma carrière, soit faire des projets très rémunérateurs pour gagner de l'argent avec mes trucs, ou alors faire des projets vraiment que j'aimais, donc pas trop faire de concessions artistiquement, aller faire de la variété que j'aime pas pour gagner plus d'argent, c'est un choix que j'ai pas fait, donc je suis plus pauvre que si j'avais fait l'autre choix. Et par exemple, des petits projets comme Julia Ribot, il y a un investissement qui n'est pas toujours monnayé. Il y a des répétitions gratuites, des fois des promos gratuites, du temps de préparation qui n'est pas décompté, qui n'est pas salarié pour moi. Donc moi, l'intermittence, surtout, ça me permet de faire exister ces projets. Et du coup, j'ai l'impression que l'intermittence permet en fait la diversité culturelle. Ça te permet donc de faire des plus petits projets, des plus risqués. Ça me permet d'être là. Risqués. Je ne pourrais pas être là. Là, je suis payé un cachet pour faire ce que j'ai fait là. Mais j'ai eu 2 jours de préparation que j'ai pu offrir à l'artiste et au public ici, grâce à ce statut. Donc pour moi, c'est quelque chose de très important. Voilà. L'argent fausse tout parce qu'on se fait croire à soi-même qu'on aime des choses, bosser dans un truc, dans un certain environnement, tout ça, alors qu'il peut être aliénant, parce qu'il faut gagner sa vie, et c'est vrai que c'est dommage, hein, mais bon, ça, après, c'est une réalité. On vit une époque où on est un peu obligé des fois de se mentir à soi-même pour vivre en se faisant croire, voilà, pour gagner sa vie. Enfin, quand une civilisation disparaît, qu'est-ce qui reste ? C'est pas l'argent qu'il y a dans les coffres-forts, on s'en fout, c'est l'architecture, la musique, les peintures, c'est ça qui rend la vie agréable. C'est devenu comme un acte de résistance. Peut-être que ça l'a toujours été. Rien que le fait de créer, je me sens presque comme un rebelle. Alors qu'on fait un trait, on compose 3 notes au piano, c'est déjà chouette.